Donc bonjour en tout cas à toutes et à tous. Donc pour me présenter, moi je suis Sigrid Berger, je suis la fondatrice de Profil Public. L'enjeu aujourd'hui, c'était de répondre un petit peu aux questionnements autour des cabinets de conseil et d'avoir donc une webconférence autour de rejoindre un cabinet de conseil pour contribuer à la transformation publique avec trois de nos intervenants qu'on vous présentera en détail tout à l'heure, mais François Journy, Léon Lesage et Léa Levasseur. Donc pour présenter un tout petit peu et faire le lien avec nos deux ambassadeurs publics qui co-animent cette webconférence, je vais revenir un tout petit peu sur Profil Public et dire en fait, à la base, moi je viens du secteur public et plutôt du monde des collectivités locales. Et pourquoi en fait je suis venue à créer Profil Public, c'est parce que j'avais fait un constat, notamment un petit peu paradoxal. Je trouvais que le secteur public était en pleine transformation. Mais concrètement, je trouvais que ces plateformes d'emploi n'avaient pas vraiment évolué. Et donc, l'enjeu pour moi, c'était de se dire comment on fait évoluer justement les plateformes d'emploi et comment on crée une plateforme d'emploi qui réenchante, on va dire, le recrutement du secteur public. Et concrètement, Profil Public, on est une plateforme qui est à mi-chemin, je dirais, entre un média pour redorer l'image du secteur public et à mi-chemin entre une plateforme d'emploi pour aider du coup les organisations du secteur public à rendre leurs offres d'emploi plus attractives, mais aussi à développer leur marque employeur de manière plus globale. Donc, je vais laisser en tout cas la parole ensuite à Christiane et Romain, qui sont nos deux ambassadeurs du secteur public, en tout cas de Profil Public, parce qu'on a créé en fait récemment au sein de Profil Public cette année un programme qui s'appelle le programme justement Ambassadeur Public, et l'enjeu c'était d'aider justement les jeunes dans leur réflexion autour de leur orientation professionnelle et pourquoi pas de penser au secteur public. Et ces jeunes, en tout cas 12 étudiants, co-animent avec nous des webconférences et notamment pensent justement aux grandes idées ou aux grands enjeux du secteur public de demain. Et ils réfléchissent avec nous sur ces thématiques et ils choisissent notamment les thématiques des webconférences qu'ils souhaitent animer. Donc aujourd'hui et ce soir, c'est Romain et Christiane qui vont co-animer cette webconférence autour des cabinets de conseil. Et je vais leur laisser la parole pour se présenter. Juste bonjour avant de commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon... Je pense qu'on le voit bien. Oui. N'hésitez pas, en tout cas, dans le chat Super. À nous le dire. Mais en tout cas, de notre côté, on le voit bien. Ce que je n'ai pas précisé, c'est effectivement, laissez bien vos micros fermés, en tout cas, tant que vous n'intervenez pas. Et n'hésitez pas à commenter, en tout cas, dans le chat, ou laissez vos questions, parce qu'en fait tout au long de la webconférence on va prendre aussi vos questions dans le chat pour justement y répondre au fur et à mesure et pas uniquement à la fin. Donc l'enjeu c'est que ça soit aussi interactif et qu'on puisse justement prendre vos questions et avoir vos réponses par rapport aux trois intervenants. Je laisse Romain te présenter s'il vous plaît. Oui, alors déjà bonjour à tous. Merci Sigrid pour cette présentation. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler des cabinets de conseil pour le secteur public parce que c'est une thématique qui est au final assez peu abordée ces derniers temps, alors qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont concernés par ce domaine, en fait. Et donc, c'est une présentation qui va durer à peu près 1h30 avec, donc, comme on l'a pu le dire tout à l'heure, trois intervenants. Donc, avec Christian, on va présenter globalement cette conférence. Donc, moi, je suis Romain Baudran. Je suis étudiant en affaires publiques à Sciences Po Lyon. Je suis du coup ambassadeur pour Profil Public à Sciences Po Lyon également. Et je fais partie de la Junior Conseil Stratégie de Sciences Po Lyon, qui est donc partenaire qui co-organise en fait cette webconférence aujourd'hui. Moi, je m'appelle Christian Toscano. Je suis en dernière année du Master Politique Publique, Administration Publique à Sciences Po. Et maintenant, je suis en stage chez Profil Public et avec Romain, nous faisons partie du programme Ambassadeur. Nous sommes 12 étudiants et nous organisons par binôme une webconférence par mois. Et donc, avec Romain, on a décidé d'organiser cette webconférence sur le conseil, justement, parce qu'on a eu pas mal de questions de la part des étudiants et de la part des ambassadeurs. Et je tiens à remercier aussi à nos intervenants. Je te laisse, Romain, présenter un peu notre partenaire.
Oui, alors du coup, la Junior Conseil Stratégie de Sciences Po Lyon, tout simplement, c'est une association étudiante. Donc, en fait, qui propose aux étudiants de l'école donc de mettre en application tout simplement les cours qu'ils reçoivent dans le cadre de missions rémunérées, de vraies missions en fait de consultants pour le compte d'organisations publiques ou privées, d'associations, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très varié. Donc, nous, on propose des missions variées, donc en affaires internationales européennes, en stratégie d'entreprise RH, également en innovation sociale et RSE. Donc, c'est quelque chose qui est au final très varié. Et donc, on est également membre du mouvement national des juniors entreprises, qui s'appelle la CNJE, qui en fait regroupe toutes les juniors entreprises des écoles qui en possèdent une. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir d'ailleurs des membres de la CNJE qui sont présents ce soir. Et donc, il y a vraiment de très nombreuses juniors entreprises de partout en France, dans de très nombreuses écoles. Et donc, les juniors entreprises sont en fait vraiment une expérience associative qui est extrêmement intéressante, extrêmement valorisante, qui apporte beaucoup d'expérience professionnelle. Et si vous avez la chance d'avoir une junior entreprise dans votre école, ça peut être une bonne occasion de vous en rapprocher pour justement prendre en compétence. Donc, voilà. Nous allons passer donc à la thématique qui nous intéresse, c'est rejoindre un cabinet de conseil pour contribuer à la transformation publique. Et nous allons donner la parole à nos trois intervenants pour se présenter très rapidement. Et s'il vous plaît, François, si vous pouvez vous présenter. Bonjour à tous, ravi de pouvoir partager mon expérience et essayer de répondre à vos questions. Je m'appelle François Journy, je suis le fondateur et le dirigeant de Politeia, qui est un cabinet de conseil dédié à l'action publique territoriale pour accompagner élus et organisations des collectivités sur des dimensions de stratégie territoriale, d'organisation de ressources humaines ou de relations usagers. En quelques mots, mon parcours, parce que je pense qu'il peut aussi intéresser certains d'entre vous pour appréhender leur propre avenir professionnel. Moi, ça fait 14 ans, ouais, presque 15 ans que je travaille en conseil. En fait, depuis ma sortie d'école, depuis ma sortie de l'ESCP, moi, je suis sorti de l'ESCP juste avant la crise de 2008. Et à mon époque, tout le monde partait en banque d'affaires en fonds d'investissement. Donc, le secteur public, j'en étais assez éloigné, même si j'avais toujours en tête. Et puis, j'ai rejoint différents cabinets de conseil. D'abord, un cabinet de conseil généraliste qui s'appelle Eurogroupe en organisation et stratégie, où j'ai touché du doigt l'action publique, mais à travers des missions d'organisation pour l'État. En fait, j'ai senti l'action publique assez loin de mes missions. Donc, j'ai fait le choix derrière de me rapprocher de l'action publique locale dans un cabinet en stratégie financière. Et puis, maintenant que j'avais mis le doigt dans l'action publique locale, j'ai voulu y rester, mais en retrouvant une dimension plus large d'organisation et de stratégie. Donc, je suis allé dans un cabinet qui s'appelle Algoé à Lyon, puisque jusqu'à présent, j'étais à Paris. Donc, je suis devenu associé en charge des enjeux de transformation de l'action publique territoriale. Avant, il y a 4 ans, de fonder le cabinet Politeia, qui compte aujourd'hui 15 consultants dédiés à l'accompagnement des collectivités. Voilà pour qui je suis, mon parcours en quelques mots. Nous allons donner la parole à Léon. S'il vous plaît, Léon, si vous pouvez vous présenter. Alors, bonjour à tous, Léon Lesage, merci François pour ces éléments. Léon Lesage, j'ai intégré il y a 3 ans après une formation à Sciences Po Lyon qui a été complétée par une formation à Paris Dauphine. J'ai intégré il y a 3 ans PwC à Paris dans l'équipe secteur public. Et depuis 3 ans, je fais des missions de conseil donc, en région parisienne pour différents acteurs du secteur parisien, donc que ce soit des ministères, des agences de ministères ou des acteurs publics de la région comme la RATP. Et j'ai été président de la Junior Conseil et Stratégie, donc la JCS de Sciences Po Lyon, notre junior entreprise en Master 1, donc l'organisation dont fait partie Romain. Et je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup Léon. Et maintenant, Léa, si vous pouvez vous présenter. Bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup Sigrid, Christiane et Romain pour cette invitation, pour partager aujourd'hui mon expérience. Et puis merci à François et Léon aussi pour ces premiers éléments. Je m'appelle Léa Levasseur. Je viens de quitter, c'est le petit changement par rapport à ce qui est indiqué sur la présentation, le cabinet Juliette Sterwen, dans lequel je travaillais comme consultante secteur public et organisation depuis ma sortie d'études, donc Sciences Po
en économie finance, Sciences Po Rennes, économie finance, et l'Université Paris Dauphine en diagnostic économique international en 2018. Donc ça faisait un petit peu plus de 2 ans et demi que je travaillais au sein du cabinet Juliette Sterwen sur des problématiques assez variées, mais surtout axées sur l'organisation du travail et les pratiques managériales pour, par exemple, des ministères comme le ministère du Travail ou le ministère de la Transition écologique, pour des structures hospitalières, pour des structures d'enseignement, des universités ou pour des collectivités territoriales un petit peu plus petites. Voilà. Et j'ai également été présidente de Junior Conseil à Sciences Po Rennes Junior Conseil, d'ailleurs exactement sur le même mandat que Léon qui est ici ce soir. Merci beaucoup Léa. Maintenant, Romain, si tu peux continuer. Oui, donc on va faire une petite rapide présentation de ce qu'on appelle les cabinets de conseil au final. Donc c'est une thématique en fait qui est extrêmement vaste et qui n'est pas toujours facile à catégoriser. Donc vous avez sûrement entendu parler des différents types de cabinets de conseil. On a parlé de cabinets en stratégie, d'ailleurs il y a de l'actualité avec le cabinet McKinsey notamment. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué à décrire, mais au final on va faire une petite segmentation au final entre 3 types de cabinets. Donc les cabinets que l'on appelle d'expertise, qui sont eux présents pour répondre à une question technique, typiquement donc une question par exemple juridique ou financière qu'un client peut se poser. Voilà. On a ensuite les cabinets d'accompagnement qui sont donc là présents pour accompagner leurs clients, donc l'aider sur une problématique qu'ils se posent. Et donc on peut penser notamment donc à l'accompagnement dans un projet de transformation. Pour une direction notamment. Enfin, donc on considère les cabinets facilitateurs, c'est-à-dire c'est des personnes ou des organisations qui, dans leur modèle, font émerger des questions. Et par exemple, il peut s'agir tout simplement d'animation d'ateliers collectifs, d'ateliers d'intelligence collective. Donc voilà. Après, on a également d'autres segmentations, donc notamment l'externalisation, donc en fait qui consiste à apporter en fait de la main-d'œuvre à une organisation qui en a besoin sur une thématique, par exemple. Il peut s'agir d'un gros projet informatique où personne n'a les compétences en interne. Donc, à ce moment-là, on fait appel à des personnes qui sont là pour intervenir pendant 6 mois, pendant 1 an, et apporter effectivement leur expertise. Donc, l'intérêt qu'on a entre ces 3 segmentations, expertise, accompagnement, facilitation, c'est le fait qu'elles structurent très, très bien le marché et qu'au final, elles se complètent. Donc voilà, on peut catégoriser le domaine des cabinets de conseil comme ça, mais après c'est vrai qu'il y a d'autres modalités d'acceptation, donc c'est quelque chose qui est quand même très varié. Donc on est là aujourd'hui pour en parler un peu plus en détail, et notamment en ce qui concerne le secteur public. Christiane, je crois que c'est à toi. Merci Romain. Et avant de commencer, nous allons poser une question à nos 3 intervenants, une question plutôt des motivations. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre un cabinet de conseil, à devenir consultant. Et on va donner la parole à François. Alors, je vais pas répondre à la question, mais en tout cas, je vais y répondre un tout petit peu différemment parce que je me souviens plus très bien, il y a 15 ans, de ce qui me motivait fondamentalement à choisir la trajectoire du conseil. Par contre, je me souviens avec un peu plus d'acuité de ce qui m'a poussé il y a 4 ans à créer un cabinet de conseil. Et je pense que finalement, s'il y a des motivations, en tout cas, je l'espère, qui peuvent se succéder. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer Politeia il y a 4 ans, et ça fait le lien quand même avec la segmentation des cabinets de conseil, c'est d'abord de dire qu'aujourd'hui, le marché du conseil au secteur public en France, il est pauvre. Il est pauvre, en fait, il faut avoir quelques registres. Par exemple, en Allemagne ou en Angleterre, c'est 2 fois plus de missions et de volumes d'affaires de conseil auprès des organisations publiques. Donc, en France, c'est un marché qui est assez immature. Et moi, je l'avais vécu à travers mes expériences précédentes où j'avais vraiment le sentiment que quand on conseillait la direction générale ou la direction de la stratégie de L'Oréal dans mes cabinets, on était à fond. Et puis, quand il s'agissait de conseiller un ministère ou une ville, d'un coup, notre niveau d'exigence, il baissait de 2 ou 3 tons en se disant, finalement, mettons-nous au rythme de nos clients qui sont eux-mêmes pas très rapides. C'était quelque chose d'assez agaçant.
parce que quand on croit beaucoup à l'action publique territoriale, on n'a pas envie d'avoir un conseil de deuxième classe quand on travaille auprès de ces acteurs. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé très fort en disant, bah, finalement, moi, ce secteur-là me plaît et j'ai envie de pouvoir mettre le même niveau d'exigence auprès de ce secteur-là que pour n'importe quel autre. Et puis, le deuxième enjeu, c'était de se dire, moi, je ne crois pas à l'idée qu'on puisse continuer longtemps dans le métier du conseil, qui est un métier exigeant, si on n'est pas passionné par son secteur. Et je me disais, je ne vois pas très bien quel est l'avenir pour moi dans une structure qui peut avoir des consultants qui conseillent la BNP, Renault et la ville de Lyon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que la ville de Lyon, en tout cas que le secteur public local. C'est un secteur suffisamment vaste et complexe avec des enjeux énormes, une organisation spécifique avec la gouvernance politique et administrative. Bref, j'avais aussi envie de pouvoir me dire que ma structure, elle était dédiée à ça, parce que c'était ce sujet-là de l'action publique territoriale qui motivait les gens, plus d'ailleurs que le métier de conseil. En fait, aujourd'hui, ce qui fait le trait d'union entre tous les membres de Politeia, entre nous 15, c'est d'être passionné par l'action publique territoriale. Et donc, c'est ça qui a fondé aujourd'hui mon envie il y a 4 ans, mais qui fonde encore aujourd'hui ma détermination à poursuivre l'aventure Politeia, donner ce même niveau d'exigence et œuvrer pour un secteur à laquelle on croit. Très bien, bah écoutez, merci François pour cette présentation. Donc, on va peut-être passer à Léon pour nous expliquer maintenant sa motivation à rejoindre un cabinet de conseil et à devenir consultant. Alors, moi, je vais faire un peu comme François. Je vais détourner un peu la question en me disant qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre un cabinet de conseil en secteur public, parce que moi, j'avais vraiment envie de faire du conseil en secteur public. C'était vraiment le secteur qui m'intéressait. Et je veux toujours pas faire du conseil pour le secteur privé. C'était vraiment le secteur qui m'intéressait de par mes études. Hein, on a fait un IEP. C'était un secteur pour lequel j'avais déjà des connaissances et une appétence. Après, c'est plus le sujet moi que j'ai choisi, sur lequel j'aimerais un peu parler. J'ai choisi d'aborder ce sujet de la transformation digitale. Parce que j'avais aussi une appétence sur ces sujets-là, une certaine curiosité sur ces sujets-là, et que parce que désormais, en fait, les transformations, qu'elles soient organisationnelles ou qu'elles résultent d'une volonté politique ou autre, elles passent désormais majoritairement par des plateformes, des outils, des logiciels, des projets qui sont digitaux. Et donc, je voulais en fait traiter les transformations organisationnelles du secteur public via justement cette partie digitale, cet angle digital. Merci beaucoup, Léon. On va donner la parole maintenant à Léa. Moi aussi, je vais détourner un petit peu la question. Ce serait vraiment dommage qu'on ne le fasse pas tous les trois. Je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Ce qui m'a poussée à devenir consultante, c'est la suite logique pour moi d'un parcours à Sciences Po. Parce que ce qui m'avait vraiment séduite dans un parcours à Sciences Po, c'était l'idée de la pluridisciplinarité et, je pense, la richesse que ça peut apporter dans tout parcours professionnel, que ce soit une suite comme administrateur territorial, comme journaliste, comme consultant. Ce qui m'a vraiment donné envie de rejoindre un cabinet de conseil, c'était la possibilité d'aller voir plusieurs environnements, d'aller voir plusieurs équipes et surtout de pouvoir adresser plusieurs sujets différents. Pourquoi plus spécifiquement le secteur public? C'est vraiment aussi par conviction, parce que j'ai beaucoup hésité sur la meilleure manière d'accompagner des projets publics. Ça aurait pu être au sein de la direction interministérielle de la transformation publique. Ça aurait pu être au sein d'une direction de la transformation directement dans une collectivité. Mais je me suis dit que la meilleure voie pour aider au mieux ces collectivités, c'était d'abord de construire une expérience métier sur l'accompagnement de la transformation. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre mon précédent cabinet. J'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement managérial d'abord pour pouvoir mieux aider les collectivités territoriales ensuite. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de poursuivre mon parcours en cabinet de conseil, puisqu'aujourd'hui, je travaille pour un cabinet de conseil qui propose une expertise en organisation des soins et en santé. Merci beaucoup, Léa. Maintenant, on va passer à la section des questions-réponses et on va commencer avec François. Et Romain, si tu peux
Bien sûr. Alors effectivement, donc là, donc on va passer à la, donc à la question, à la séance de questions-réponses, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on a déjà des questions à poser donc à nos intervenants. Et une fois que ces questions auront été répondues, vous aurez votre un moment de où vous pourrez proposer vos questions dans le en commentaire. Et donc là, pour commencer, donc François, donc pourquoi avoir créé un cabinet de conseil? Parce que vous, du coup, vous êtes fondateur du cabinet Politeia. Et donc pourquoi spécifiquement en lien avec le secteur public local? Donc vous avez commencé à évoquer des raisons tout à l'heure lors de votre présentation, mais j'imagine que vous avez quand même plusieurs choses à nous dire à ce sujet-là. Oui, je peux continuer mon explication en disant juste que je pense qu'aujourd'hui, le secteur public territorial, alors le fait qu'il soit en profonde mutation, on le sait tous, et là on n'a rien dit. Par contre, le fait qu'il soit porteur, à mon avis, de solutions d'avenir, c'est une quasi-certitude. Nous, en ce moment, on travaille par exemple sur les enjeux de transition écologique. On voit bien que ça ne se jouera pas au niveau étatique. Les derniers éléments qui sont dessinés en termes d'organisation et d'efficacité de l'action publique pour être résilient et réactif montrent aussi la puissance de l'action publique territoriale. Donc, je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose d'énorme qui doit se jouer au niveau des territoires. Il ne faut pas tomber dans le localisme. Moi, je crois aussi à l'absolue nécessité de l'État. Par contre, je pense qu'on ouvre quand même une période qui va venir réaffirmer et confirmer la nécessité de donner une capacité d'action renforcée au niveau local. Et le secteur public, là-dessus, doit se redéfinir aussi pour que l'action territoriale se conforte. Donc ça, c'est aussi quelque chose parmi les autres éléments que j'ai évoqués tout à l'heure qui fondait notre envie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on est sollicité à Politeia pour travailler au niveau étatique, on refuse parce qu'on a peur de perdre un peu notre âme. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, mais de se sentir trop loin du terrain, trop loin des préoccupations citoyennes. Mais je demande juste à être contredit. Mais moi, j'avais le sentiment parfois que l'administration d'État ou ces satellites, finalement, ne retrouvaient plus au quotidien leur sens dans leur lien aux citoyens, que ce soit un lien politique ou un lien de terrain. Un des gros attraits pour moi aussi du secteur public territorial, c'est justement d'avoir ce lien direct à l'élu qui lui-même a un mandat, en fait, et donc on travaille directement avec des maires, avec des présidents ou avec des agents, des fonctionnaires territoriaux qui, eux aussi, sont en lien direct avec l'usager. Et cette prise directe, pour moi, elle est hyper fondatrice de l'intérêt de nos missions et de l'importance du secteur public. Donc voilà pour compléter ma réponse. Je ne sais pas, Christiane, si tu souhaites que je réponde à la deuxième question dans la foulée. Si vous voulez, oui, justement, c'est juste pour la lire. Et je pense que vous participez aussi au recrutement de votre cabinet de conseil. Du coup, on aimerait savoir qu'est-ce que vous entendez d'un stagiaire ou d'un consultant junior senior. Ouais. Alors, on attend plein de choses. Et surtout, ils font beaucoup de choses. Mais si on devait essayer de synthétiser un tout petit peu, je pense que quelqu'un qui arrive dans le monde du conseil et qui sort d'école, nous, on a énormément, sur les 15 personnes en CDI aujourd'hui chez Politeia, il y en a la moitié, c'est des stagiaires de fin d'études qu'on a recrutés. Donc voilà, c'est vraiment une démarche qu'on connaît bien et qui fonctionne très bien. Donc que ce soit un stagiaire en fin d'études ou quelqu'un, un jeune diplômé qui rentre chez nous, on attend d'abord qu'ils se prennent au sérieux avec humilité. Et ce n'est pas contradictoire. En gros, il faut sortir de la posture étudiante qui parfois consiste un peu à se dire bah, « en fait, je suis étudiant ». Donc c'est bien sûr une réalité, mais parfois aussi une excuse facile. Donc il faut se prendre au sérieux, il faut assumer. Moi, c'est quelque chose que je répète quand même à des jeunes consultants, hein, même si au départ, nous, on a des montées progressives où ils ne sont pas effectués chez les clients. Je leur dis, bah là, finalement, vous êtes face à quelqu'un et il sait que vous lui avez coûté 1 000 ou 1 200 euros aujourd'hui. Donc, en fait, vous ne pouvez pas ne pas vous prendre au sérieux. Par contre, il faut le faire avec humilité parce que très clairement, aujourd'hui, vous êtes un jeune diplômé, stagiaire et en apprentissage. Et le pire, ça serait qu'il essaye de se gonfler d'orgueil pour prendre de haut des clients et se donner une fausse posture de sachant. Donc, se prendre au sérieux avec humilité, c'est ce qu'on attend. La deuxième chose, je pense, et ça, on l'a vécu, c'est parfois pas facile,
c'est que quand on rejoint une structure, et je parlerai de la mienne, Politeia, il faut renoncer à ses habits d'étudiant, et ça veut dire qu'il faut renoncer à ce qui est juste pour essayer de découvrir ce qui a de l'impact. Et ça, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a passé toute sa scolarité d'étudiant à être dans une logique de « je fais des choses justes ou fausses », mais en tout cas, il y a une sanction qui est une sanction de qualité. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans les collectivités, dans certains métiers de collectivité, qui ont une forme de rigueur, mais qui derrière définissent la qualité de leur action à partir d'une matrice. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Et nous, c'est quelque chose qu'on refuse totalement, en fait. On se moque que le rapport fasse 80 pages et qu'il soit juste s'il ne sert à rien. Et à l'inverse, je préfère qu'un consultant ne fasse pas de rapport, mais par contre, qu'au final, il ait un impact majeur lors d'une discussion ou d'un atelier. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il faut se déshabiller de ça pour habiller un autre costume qui est celui de mon but, c'est de servir à quelque chose, d'avoir un impact et pas d'avoir juste ou faux. Et ça, on attend aussi que très rapidement, quelqu'un qui rentre chez nous puisse le comprendre. Et puis, un dernier point, mais qui est là peut-être plus lié à notre cabinet, chez Politeia, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de senior, de manager, il n'y a pas de prérogative. Tout le monde peut à peu près tout faire, développer, faire du commercial, monter un partenariat, avoir du budget pour ça à partir du moment où il le pousse. Donc, c'est une organisation assez spécifique, mais ça veut dire qu'on attend aussi des gens qui prennent et qui portent des initiatives, mais pas au sens où on peut le voir là vraiment très concrètement. Et il y a des gens pour qui c'est incroyable, c'est-à-dire on a intégré des gens qui, dans cette dynamique-là, ont fait des choses folles en très peu de temps parce qu'ils se sont dit, mais pour une fois, j'ai un espace de liberté, de créativité, et je sais que si je suis bon, je ferai des choses folles. Donc, ça, c'est génial. Par contre, le contre-pied, c'est qu'on a aussi eu des gens qui se sentent pas à l'aise là-dedans, qui sont plus à l'aise avec un travail prescrit, où on leur dit, bah, voilà ce qu'il faut faire, et qui disent, est-ce que j'ai bien fait? Moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur, ces profils-là, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend, nous, chez Politeia. Merci beaucoup, François. Sigrid, je ne sais pas si tu vois des questions. Oui, tout à fait. Je vais rebondir. J'ai vu pas mal de questions dans le chat te concernant, François. Il y avait une première question à laquelle tu as à moitié répondu déjà. Voilà, pourquoi finalement ne pas avoir rejoint une collectivité territoriale vu que tu as créé un cabinet de conseil en collectivité? Alors moi, ma question derrière, peut-être pour être un peu plus précise, parce que tu as dit que potentiellement tu voulais peut-être... tu avais voulu à un moment donné travailler en cabinet et du coup plutôt du côté politique. Est-ce que côté cabinet, finalement, tu as une relation privilégiée avec les élus? Voilà, peut-être que c'est peut-être cet axe. En deux mots, hein, j'ai hésité un moment, j'avais 31 ans, en me disant, bah, en fait, finalement, si ce secteur te passionne, vas-y. Et il y avait une ouverture, effectivement, pour être directeur de cabinet. J'avoue qu'à l'époque, ce qui m'a refroidi, c'est l'idée de dire que je mettais quand même un gros mouchoir sur ma vie privée, hein, parce que c'était ça le deal, c'était plutôt un poste pour un élu important, donc on sait ce que ça veut dire directeur de cabinet. Donc c'est un choix de feignantise que j'assume, mais au final je ne le regrette pas. Et après, aujourd'hui, je ne le ferai plus, ce mouvement. Et alors encore une fois, hein, c'est très personnel, mais... en tant que consultant, et peu importe d'ailleurs que je sois le président de Politeia ou qu'on soit consultant, on a un accès direct au maire, au président, au DGS. Et c'est vrai que repartir dans une structure où je ne sais pas quel serait mon poste, mais je n'aurais plus cet accès direct-là, c'est quelque chose, je pense, qui aujourd'hui rendrait pour moi ce mouvement pas tout à fait possible. C'est clair, c'est un peu ce que j'avais pressenti, peut-être la relation à l'élu, effectivement, peut-être plus directe, en tout cas une relation un peu plus privilégiée. Après, on a deux autres types de questions, je dirais. On a des questions sur les projets un peu que vous menez du coup chez Politeia, peut-être détailler un projet concret, toi expliquer voilà, ce que vous avez peut-être pu faire avec une collectivité. Et est-ce que derrière, vous faites aussi des projets collaboratifs ou en tout cas de co-construction avec certaines collectivités? Et je te dis d'emblée la deuxième question aussi derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les profils pour le recrutement. Et du coup, à la fois des profils, il y a des profils, je veux dire, pur privé qui viendraient du privé. Et voilà, est-ce que potentiellement, si on vient que du privé, est-ce que vous pouvez faire des recrutements avec des personnes qui viennent que du privé? Et
Et des personnes, par contre, qui ont justement la casquette, qui sont cadres dans la fonction publique territoriale, est-ce que ça peut intéresser aussi? Et finalement, peut-être plus largement, est-ce que vous attachez peut-être plus à la personnalité qu'à un statut public, privé, etc.? Alors, juste, ça serait génial de se dire ça, on s'attache à la personnalité, on a un recrutement ciblé qui vise, mais en fait, ça a de l'importance. Et notre expérience le montre. Et cette question notamment du recrutement de cadres territoriaux issus des postes de direction dans la FPT, c'est une question qui est d'énorme actualité pour nous en ce moment. Et on se pose vraiment cette question. On n'a pas encore de réponse, mais je pourrais vous donner quelques éléments, ceux que je livre d'ailleurs à des dirigeants qui nous contactent. Sur ce que fait Politeia, en gros, on a, pour vous donner quelques repères, nos missions, elles durent entre 40 et 50 jours étalées sur 6 mois. En fait, je vous dis ça pour dire, en fait, nous, on ne travaille pas depuis chez notre client, ce qui est d'ailleurs le cas d'autres cabinets. Nous, on va dans les collectivités pour animer des ateliers, des comités de pilotage, faire des entretiens. Mais en gros, un consultant chez nous, il a 4, 5, 6 missions en parallèle. Enfin, 6, ça commence à devenir compliqué, mais ça arrive. Nos missions, elles vont en ce moment, si je devais donner 2-3 exemples de missions, on a en ce moment beaucoup de missions liées à des projets de territoire, donc des intercommunalités qui ont un nouvel exécutif, et autant un maire a un projet de mandat, en tout cas on l'espère, autant un président d'intercommunalité, il n'a pas été élu à part la métropole de Lyon sur un projet. Donc, ça veut dire que derrière, il doit écrire son projet de territoire et de préférence, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pousse, il doit l'écrire avec l'ensemble des élus de son territoire, mais aussi avec ses citoyens, en imaginant des éléments de participation citoyenne, et puis avec ses services à la fois communaux et intercommunaux. Donc, on a beaucoup de missions en ce moment, on doit en avoir une dizaine qui relèvent de la co-construction de projets de territoire pour définir la stratégie d'une intercommunalité, donc une communauté d'agglomération, sur de 5 à 10 ans. Là, par exemple, on a défini l'animation d'un atelier qui vise à écrire le récit de l'agglomération du Pays d'Évian en 2030, en donnant corps à ça. Donc, on va faire ça avec des fresques, avec des contes audio et avec des récits écrits pour justement, au-delà des projets, donner autour des projets du sens. Un type de mission, projet de territoire. Je vous donne un autre exemple, allez, je vais en donner deux autres. On a en ce moment des missions qui relèvent aussi des évolutions législatives, notamment sur le temps de travail. Les fonctionnaires territoriaux sont amenés aujourd'hui à respecter une réglementation pour travailler 1607 heures par an. Pour beaucoup de collectivités, ils n'atteignent pas ce niveau, donc on accompagne des collectivités pour penser la manière de réorganiser le temps de travail, alors sans le faire de façon brutale, parce que en fait, ces fonctionnaires territoriaux, ils n'ont rien demandé. Objectivement, c'est parfois assez dur de se dire, moi j'étais embauché, là d'un coup on me dit que je vais perdre jusqu'à 10 jours de congé, notamment en région parisienne. Donc on essaye de trouver à la fois les meilleures solutions pour les agents, pour les usagers, de donner du sens, de piloter la concertation sociale. Donc, on fait ce travail-là. On le fait, par exemple, pour des grands ensembles de la région parisienne. On le fait pour la métropole de Rennes. Donc, ça, c'est des dimensions où, pour le coup, on est dans l'accompagnement, mais aussi avec une expertise RH. Alors que dans le premier cas, on était dans l'accompagnement sur les projets territoires parce qu'on donne aussi des éléments de fond sur les politiques publiques aux élus, mais avec une dimension de facilitation, pour reprendre la segmentation qu'a présentée Romain tout à l'heure. Et puis, peut-être, troisième exemple de mission qu'on mène en ce moment, c'est notamment des villes qui, début de mandat, lancent des projets d'administration, qui se disent finalement, j'aimerais connaître aujourd'hui non seulement les forces et les faiblesses de mon organisation, mais surtout comment est-ce que je peux penser la transformation de mon organisation, à la fois pour être en lien avec le projet politique et puis pour accompagner des grands mouvements de transition, la transition écologique, la transition numérique, mais aussi la participation citoyenne, enfin, tous ces éléments-là. Donc là, on va travailler vraiment sur l'organisation des SAS. Donc ça, c'est pour donner quelques exemples de nos missions. Il y en a d'autres. Finalement, on est très spécialisé, mais le champ est vaste. Pour répondre à la question des profils publics, privés qui peuvent être intégrés à un cabinet de conseil, il y a vraiment un point, nous on avait très envie et on a encore très envie d'intégrer des gens issus de collectivités territoriales
parce qu'on croit beaucoup à l'apport de leur vision opérationnelle, d'avoir vécu ce qu'était une collectivité de l'intérieur. Et on pense que c'est le meilleur moyen derrière d'avoir des conseils pertinents, opérationnels et qui ne soient pas hors sol. Après, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on le vit aujourd'hui à travers des gens qui ont fait ce mouvement et qui réussissent hyper bien chez Politeia, mais au prix de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts parce qu'en fait, quand on est cadre dans une collectivité territoriale et qu'on rejoint un cabinet de conseil, il y a quand même des choses dont on se doute, mais dont on ne mesure pas forcément l'ampleur du changement. Notamment en premier, c'est qu'un cabinet de conseil, ça, c'est, en tout cas chez nous, ça se définit par une relation client. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas nous qui décidons si nous faisons ou pas du bon travail, c'est notre client. Et il faut être dans une adaptabilité constante, à la fois porter des convictions, mais quand même se dire que c'est lui, in fine, qui pourra évaluer la qualité de ce qu'on fait. Soyons honnêtes, ce n'est pas du tout ça la philosophie dans une collectivité territoriale. Même s'il y a de plus en plus de rapprochements vis-à-vis de l'usager, voilà, quand on mène une politique publique, quand on est manager ou directeur d'une organisation, on n'est pas toujours l'œil rivé sur la satisfaction de son usager. Et ça, c'est un bouleversement majeur. Quand je le dis, là, ça paraît très théorique, mais dans les faits, c'est très dur de se dire qu'en fait, on n'est pas détenteur de savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. En fait, c'est toujours un autre qui a ce regard-là. Ça, c'est un premier moment un peu difficile, une appropriation pas évidente. Et puis là, par exemple, moi, j'avais au téléphone hier un DGS de collectivité qui a un profil superbe et qui me disait, alors, chez Politeia, je disais, attention, il y a un point aussi, nous, et alors c'est spécifique chez Politeia, il n'y a pas de statut. Tout repose sur la contribution opérationnelle. C'est-à-dire que vous arrivez demain chez Politeia, en fait, vous allez faire des PowerPoints, vous allez animer des réunions et vous allez être jugé, évalué comme un consultant de 25 ans. Et en plus, il sera toujours meilleur que vous parce qu'en fait, il ira plus vite sur Excel, il ira plus vite pour faire des vidéos et vous apporterez plein d'autres choses. Mais ça, c'est dur aussi. Et ça, c'est aussi un autre écueil, c'est que quand on passe du monde public, qui est quand même un monde régi par le statut, mais là, je ne parle pas du statut de la FPT, mais voilà, avec des rôles statutaires clairs, je suis manager, je suis directeur, et ben, nous, dans un cabinet de conseil comme le nôtre, je pense que c'est super intéressant, mais c'est des gens, en fait, qui perdent totalement ce statut-là et qui se retrouvent confrontés à une évaluation au quotidien de leur travail qui n'est que sur leur contribution opérationnelle. Et alors, on peut se dire, ouais, génial, oui, non, c'est dur, il faut être honnête, c'est dur. Et moi, je comprends tout à fait que ce soit dur pour des gens de vivre ça, parce que c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on a toujours envie de recruter, et c'est ce qu'on fait, des gens issus du monde public. Par contre, maintenant, on est hyper… En fait, ce n'est pas une question de vigilance, et on est hyper peur en disant, attention, ça va être dur. Ça va être dur sur ces dimensions d'avoir cette relation client comme juge de paix continue, qui suppose vraiment d'extérioriser l'évaluation de son travail. Et ça va être dur sur cette logique où il n'y a pas de statut chez nous. Donc, en gros, tout est mesuré à la contribution opérationnelle de chacun, ce qui n'est pas totalement dans l'habitude des gens issus de cadres dirigeants de la FPT. Merci en tout cas, François, pour ces éléments en tout cas très clairs sur le retour d'expérience et justement le passage de l'autre côté du miroir. Christiane et Romain, je vous laisse la main pour poser les questions à Léon. Oui, alors effectivement, donc Léon, toi, tu as l'avantage d'avoir une expertise directement en SI, donc en transformation digitale. Précisément, donc, quelles sont les missions d'un consultant en transformation digitale? Quelle est la différence par rapport à des missions plus classiques, on pourrait dire? Et quelles sont également les missions qui t'ont le plus marqué? Alors, au sujet des missions d'un consultant en transformation digitale, donc je sais qu'il y a une question du public, en plus ça rejoint une question du public sur les problématiques spéciales pour un accompagnement externe. Ce qu'on fait beaucoup, nous, dans notre équipe en transformation digitale, c'est des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement de plateformes, de logiciels
etc., avec différents acteurs. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps auprès de la RATP sur un sujet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour une application pour les mainteneurs en station. Donc, vous voyez, toujours dans du secteur public avec un acteur du transport, mais par contre sur des sujets très, très industriels. Où voilà, vous animez des ateliers de recueil du besoin, vous faites des visites dans les ateliers, dans les entrepôts, vous faites justement ce recueil du besoin, vous le transmettez aux développeurs, vous recevez les évolutions qui ont été faites sur l'application, vous faites la formation des utilisateurs et vous recueillez les données d'utilisation, etc. Donc ça, c'est pour l'émission. Après, on a quelques missions d'expertise, en particulier sur des sujets RGPD en ce moment. Moi, je travaille beaucoup sur des sujets RGPD avec différents acteurs, donc des acteurs territoriaux comme le Conseil régional Île-de-France et la DRH de la ville de Paris. Moi, j'ai la question suivante. Quel parcours faut-il suivre pour devenir consultant en transformation digitale? Et si, par exemple, quel est l'apport d'une expérience en jeune entreprise pour intégrer un cabinet de conseil? Alors, du coup, sur le parcours, donc on est sur une expertise, on est sur un accompagnement en termes de processus. Donc, il n'y a pas de parcours type, même si des connaissances de base en système d'information peuvent aider, en transformation digitale peuvent aider. Mais on est vraiment sur de l'accompagnement de projet. Donc, des tâches, les tâches qui sont typiques d'un consultant, animation de réunion, retour d'expérience, recueil du besoin, gestion de projet, réalisation de livrables avec beaucoup de suivi, suivi des livrables aussi qui peuvent être réalisés par d'autres acteurs de l'équipe. Ça, ce sont des tâches, ce sont des compétences qui vous faut. Mais ce qui fait que, par exemple, si vous avez un parcours en gestion de l'innovation, ça peut très bien coller. Au sujet de qui prouve même qu'il n'y a pas de parcours type, c'est que dans mon équipe, on a des gens qui sont issus d'écoles de commerce, qui sont issus d'université. On a des gens qui travaillent sur des sujets en SI pour la santé, qui sont des anciens pharmaciens, etc. Donc, on a vraiment des profils divers et variés. Au niveau de l'apport d'une expérience en junior entrepreneur, donc moi c'est vrai que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup. Ah, Léon, j'ai l'impression qu'on vous entend un peu moins. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. J'ai l'impression qu'on vous a perdu. C'est le cas pour moi aussi. Oui, je pense pour que. Je pense qu'on a perdu Léon. On vous a perdu Léon. Peut-être que coup je regarde un petit peu les questions justement dans le chat parce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure. Ça fait le rebond encore avec François qui va nous dire que tu as beaucoup de questions. Mais une question qui rebondit sur le recrutement. Et du coup, Karine qui nous dit, est-ce que les DGS, finalement, les directeurs généraux des services de plus petites collectivités, de petites strates, qui sont peut-être plus opérationnels, ne seraient peut-être pas plus à l'aise pour passer de l'autre côté du miroir? Voilà, est-ce que tu serais d'accord avec ça ou encore là, tu mets un bémol par rapport à... En fait, c'est pas un bémol. Je sais pas si la taille de la collectivité a grand-chose à faire dans l'histoire, pour être tout à fait honnête. Moi je pense que les gens, à partir du moment où ils connaissent l'action publique territoriale et que ça leur plaît, il n'y a pas de raison que leur parcours, que ce soit en gros ou en petite collectivité, ne leur permette pas de rejoindre un cabinet de conseil. Il faut juste avoir conscience des éléments que j'ai évoqués, parce qu'en fait, ils seront vraiment éprouvés. C'est une forme de violence, en fait, je crois qu'il faut le dire, de dire, ben voilà. C'est pas le même niveau, c'est pas le même rythme, encore, c'est vrai. C'est le niveau d'exigence, il est différent. En fait, je projette un DGS en petite collectivité, il doit résoudre des problèmes au quotidien. Voilà, là, il faut un niveau d'exigence sur de l'analytique parfait, sur de la formalisation parfaite.
Et puis, moi, je dirais quand même un point en plus, et encore une fois, loin de moi l'idée de dire il s'agit pour les gens de collectivité de détourner le chemin du conseil, ça marche très bien. On a des exemples chez nous où ça cartonne, hein, mais c'est qu'une structure de conseil, une collectivité territoriale, elle ne prend pas un cabinet de conseil pour avoir quelqu'un qu'elle pourrait avoir en interne. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais je crois que c'est réel, quoi. C'est-à-dire que il faut changer de posture. Si une collectivité, par exemple demain la métropole de Grenoble et qu'on accompagne beaucoup sur des dimensions plutôt stratégiques, hein, donc auprès de la direction générale, elle voit un consultant qui arrive et ce consultant se positionne en tant que moi je suis ancien DGS de petite collectivité donc je sais dont je vous parlais. Non, en fait, ça ne va pas l'intéresser parce qu'elle dit mais non, mais moi en fait, vous inquiétez pas, des gens, des DGA et j'en ai plein, des administrateurs, ce que je veux c'est quelque chose d'autre. Donc, il faut accepter une autre posture et une autre forme d'apport qui relève de donner un rythme, une impulsion que les collectivités ont du mal à donner seules, d'être dans une exigence ou même une créativité sur le formalisme, parce que pour faire passer des idées, ça compte énormément. Et donc, encore une fois, il faut accepter que ce n'est pas la même chose du tout d'être de l'intérieur ou à l'extérieur. Merci beaucoup François. Peut-être Léon, parce qu'on vous a perdu, vous êtes en train de répondre à l'apport d'une expérience en junior entreprise pour intégrer un cabinet de conseil. Excusez-moi, oui, on a été coupé. Hein, j'ai prononcé la phrase typique de 2021. Du coup, quel est l'apport d'une expérience en junior entreprise pour rentrer en cabinet de conseil? Donc, c'est une expérience qui est vraiment, enfin pour moi, qui a été cruciale, hein, parce que vous découvrez en fait les étapes clés d'un cabinet de conseil alors que vous êtes déjà étudiant. Vous découvrez des concepts clés, gérer un plan de charge, accompagner vos consultants avec le client, gérer la relation client, gérer l'orientation de votre travail vers des livrables sur lesquels parfois vous pouvez passer plusieurs mois. Gérer aussi cette attitude orientée client tout en gardant une posture d'humilité, encore plus quand vous êtes jeune consultant junior même en junior entreprise, excusez-moi. Et c'est une attitude que vous devez garder lorsque vous êtes consultant, ensuite en cabinet pour de vrai, entre guillemets. Sigrid, je ne sais pas si tu vois des questions pour Léon dans le chat. Oui, y a une question à laquelle je pense que tu as répondu, Léon. C'est celle justement, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques et particulièrement adaptées justement à l'accompagnement externe, et du coup le digital et la transformation digitale en fait partie par rapport à ce que tu as dit. Mais au-delà de cette question, il y avait une question mais qui est un peu plus générale, et tu as répondu en partie tout à l'heure sur qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à entrer dans un cabinet de conseil privé plutôt qu'une administration publique, parce que cette question, on voit que ça, en tout cas, il y a pas mal de questions autour de ça, et voilà, c'est un vrai questionnement des participants. Mais peut-être au-delà de cette question, est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, tu as été tenté de rejoindre du coup un de tes clients finalement, un ministère, une entreprise publique, et tu t'es dit pourquoi pas finalement de passer de l'autre côté du miroir? Alors, c'est vrai qu'on est souvent tenté, enfin, quand ça se passe bien, on est quand même souvent tenté, on est quand même souvent même légèrement invité par nos clients à le faire. Moi, j'y avais réfléchi, c'est vrai qu'au moment où ça s'est présenté à moi, c'était assez tôt, c'était il y a un an, donc c'était tout compte fait assez tôt dans ma carrière. J'ai pas osé parce que aussi je suis particulièrement heureux dans mon entreprise actuelle, et les missions sur lesquelles j'évolue me permettent d'avoir un panel de visibilité sur les sujets du secteur public, en particulier ses acteurs, qui est vraiment intéressant parce que je peux faire des missions en agence, je peux faire des missions pour des acteurs des collectivités territoriales ou des missions pour des ministères, ce qui est particulièrement, particulièrement intéressant. Et après, pour revenir à la question initiale du public, ça va un peu dans le sens de ce que fait Profil Public. Hein. En fait, moi, quand j'ai voulu chercher une alternance
pour faire du conseil. Je m'étais demandé, je voulais faire du conseil en secteur public, mais vous savez, face à la diversité des organisations, en fait, ben moi, dans le conseil, on a les Big Four, donc quatre grosses entreprises qui représentent une grosse part du marché. Mais pour faire de la transformation digitale dans le secteur public, est-ce que vous devez vous adresser au secrétariat général au numérique, à la direction de la modernisation de l'État, aller directement directement chez les acteurs, aller en agence, etc. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont plus compliquées, qui fait que l'offre de postes dans le secteur public avec des missions qui peuvent être passionnantes est malheureusement un petit peu plus confuse. Oui, effectivement, en tout cas, super intéressant. Ce que je vous propose, Christiane et Romain, c'est peut-être de commencer avec Léa, vos questions, oui. Parce que dans le chat, pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques pour Léon et on pourra reprendre certaines questions après avoir interrogé Léa. C'est vrai qu'effectivement, on a déjà d'autres questions qui sont un peu prévues en dehors. Donc, effectivement, on pourra passer avec Léa. Donc quelles sont tes missions et quels sont les avantages et inconvénients de ton expérience de consultante? Qu'est-ce que tu en retires? Quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients que tu y trouves? Alors, peut-être pour commencer, une petite précision. Le cabinet pour lequel je travaillais jusqu'au mois dernier, qui s'appelle Juliette Stawen, est un cabinet qui est plutôt généraliste. Ce qui veut dire que quand on adresse le secteur public, on adresse vraiment le secteur public au sens très large. On peut travailler autant pour des collectivités territoriales que pour des ministères, que pour, par exemple, la Banque publique d'investissement ou la Banque de France. C'est vraiment tout un secteur qui s'offre à nous et que l'on traite au travers d'une vision plutôt métier. Par exemple, on peut intervenir sur des thématiques ressources humaines pour un ministère, comme on peut intervenir sur des thématiques de transformation digitale au sein d'un ministère. C'est-à-dire qu'il y a ce croisement entre les expertises plutôt métiers, comme la transformation SI, et les expertises plutôt sectorielles, la connaissance des politiques publiques. Moi, depuis que j'ai rejoint le cabinet il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des thématiques assez différentes. Dans le domaine universitaire, sur les conditions ressources humaines, les politiques ressources humaines des enseignants-chercheurs. J'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des programmes de formation sur l'index égalité hommes-femmes. Et j'ai eu aussi, très récemment d'ailleurs, l'occasion de travailler avec le ministère de la Transition écologique sur la promotion de dispositifs urbains innovants. Par exemple, quand on crée des maisons intergénérationnelles, comment est-ce qu'on peut les financer? Comment est-ce qu'on peut attirer des promoteurs pour qu'ils aient envie de construire dans des territoires qu'on oublie un petit peu parce qu'on a tendance à se concentrer sur les métropoles. J'ai vraiment pu adresser plusieurs sujets différents et par plusieurs prismes différents. De toutes ces expériences-ci, et c'est absolument ce que je recherchais en rejoignant un cabinet généraliste et dans la suite logique d'un parcours pluridisciplinaire à Sciences Po, finalement, ce que j'ai préféré, c'était le domaine de la santé. Parce que j'y ai trouvé beaucoup de sens, parce que le domaine que j'ai pu accompagner, c'était la pharmacie d'un groupe hospitalier, m'a paru tout particulièrement intéressant et j'ai vraiment senti l'impact que ça pouvait avoir. Je pense que l'inconvénient majeur d'une telle expérience, quand on est consultant, c'est le fait d'être déstabilisé assez souvent. En fait, être consultant, ça suppose la capacité à s'adapter à des missions qui sont courtes, des missions qui sont longues, des personnes, des collègues temporaires, puisqu'on rejoint souvent des équipes et on accompagne souvent des équipes qui, elles, ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Et ça peut aussi bien être un soulagement quand on quitte une équipe avec laquelle ça s'est bien passé, mais sans plus, qu'une tristesse quand on a vraiment rencontré des personnes avec qui on faisait avancer un projet ensemble. Pour moi, c'est vraiment l'inconvénient principal. C'est en même temps l'inconvénient et l'avantage d'une expérience comme celle-ci. C'est qu'on est tout le temps... j'ai envie de dire challenger, c'est pas tout à fait la bonne expression, mais on est tout le temps remis en question, on est poussé à tout le temps se remettre en question, et ça peut parfois être difficile, tout comme je trouve c'est vraiment la partie la plus enrichissante. Le fait d'aller dans plein d'environnements différents vous apprendra nécessairement des compétences, et le simple fait d'être extrêmement adaptable peut être vraiment vraiment utile, que l'on soit de nouveau dans une mission de conseil, ou bien que l'on décide ensuite de se réorienter vers du secteur privé, que l'on aille ensuite candidater auprès d'une collectivité locale. Donc, je pense que c'est vraiment important d'appuyer sur le volet avantages et inconvénients de la pluridisciplinarité de notre métier. Moi, j'ai une autre question pour vous, Léa.
Et c'est quelles sont les qualités et compétences que doit avoir un consultant secteur public et quel a été votre processus de recrutement chez Julien Esterwen? Du coup, c'est une question qui est plutôt en deux parties. Pour les qualités et les compétences que doit avoir un consultant secteur public, je pense que quel que soit le niveau d'expérience, les deux qualités principales qui sont requises, c'est d'une part la curiosité, puisqu'il faut avoir envie d'aller se renseigner sur tout type de sujet. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie par soi-même et puis aussi par des connaissances au sein de l'entreprise, par des recherches sur Internet, par des recherches en bibliothèque, il faut avoir envie d'aller se plonger dans un sujet. C'est vraiment très, très important d'aller chercher vous-même de l'information, d'avoir cette proactivité, cette capacité à développer vous-même vos connaissances et à aller chercher de l'aide auprès de vos collègues lorsque vous ne savez pas. Ça, c'est la première qualité, je pense. La seconde, c'est la rigueur. Là, c'est aussi une compétence pour moi, puisque peu importe votre client, il y aura toujours cette exigence d'impact de votre travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous êtes là pour rendre un service, apporter une expertise que l'équipe que vous accompagnez n'a pas forcément en interne. Et en ce sens, être rigoureux, faire attention à ce que vous produisez, faire attention à ce que vos documents, par exemple, à ce que vos réunions soient animées de façon à apporter du positif à l'équipe que vous accompagnez, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Après, en termes de compétences un peu plus basiques, et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui sont dans des processus de recrutement ici, une bonne maîtrise de tout ce qui est Excel, par exemple, c'est important. Une bonne maîtrise de Word, une capacité à vous présenter, une capacité à bien présenter vos idées, un effort de synthèse, un effort dans l'expression, ça fait vraiment partie des compétences de base. Ceci dit, je pense aussi que toute expérience préalable, que ce soit en junior entreprise, que ce soit au cours d'un stage ou que ce soit dans une première expérience, par exemple, dans une collectivité territoriale, est bénéfique parce qu'elle vous donne, enfin, elle permet d'apporter à la richesse qui, pour moi, est vraiment l'essence du métier de consultant. C'est-à-dire qu'apporter plusieurs regards, croiser plusieurs regards, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, très intéressant, et je ne pense pas qu'il y ait une expérience, notamment pour les très jeunes diplômés, qui puisse vous donner, qui soit vraiment nécessaire pour entrer dans le milieu du conseil. Vous pouvez tout à fait avoir fait un stage en collectivité locale pour entrer dans une entreprise de conseil. Vous pouvez avoir fait une junior entreprise, vous pouvez être parti à l'étranger. Toute expérience, du moment que vous savez prendre du recul et voir ce qui a été bénéfique pour vous, peut tout à fait être mise en valeur dans le cadre d'un processus de recrutement. Et ça me permet d'enchaîner avec la seconde question sur le processus de recrutement chez Julie Sterwen. Là, moi, j'ai suivi un processus qui était en place il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, qui consistait en un processus assez classique, je pense, dans les cabinets de conseil, sur 3 entretiens, c'est-à-dire un entretien plutôt axé ressources humaines, où d'abord on cherche à vous connaître, à comprendre votre parcours, à savoir comment est-ce que vous expliquez vos choix, comment est-ce que vous avez choisi votre formation, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre un cabinet de conseil. Puis un second entretien avec un manager, qui lui est plutôt axé sur vos connaissances et vos compétences. Alors après, au rang junior, bien sûr, stagiaire ou consultant en début de carrière, on n'attend pas de vous une expertise extrêmement spécifique sur la manière dont fonctionnent les finances des collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ça l'objet de cet entretien-là, c'est plutôt de voir la manière dont vous réfléchissez, de voir la manière dont vous structurez vos idées. Parce que c'est vraiment une compétence essentielle pour un consultant que de savoir structurer et présenter ses idées. Le dernier entretien, lui, avait plutôt vocation à voir comment vous vous projetez dans l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez une carrière? Est-ce que vous savez déjà que vous avez envie de vous réorienter par la suite? Le fait d'être en capacité de vous dire, tiens, je vais prendre cette expérience-ci parce que je pense que ça peut m'apporter. Je sais que moi, je peux apporter telle compétence, telle expérience à cette entreprise et j'ai envie de le faire. C'est une étape qui est très importante pour un cabinet de conseil dans un processus de recrutement. Et je pense que François pourrait être tout à fait d'accord avec nous sur ce point. Le fait que le candidat puisse se projeter dans l'entreprise, qu'il sache ce qu'il y amène et qu'il sache ce que l'entreprise lui amène, c'est vraiment un élément qui est très important. Et aujourd'hui, pour les personnes que ça intéresse, peut-être on pourra y revenir ensuite dans les questions-réponses, mais le processus de recrutement du Lesterwen est scindé en deux. C'est-à-dire que pour les consultants juniors et les consultants stagiaires, c'est une journée de recrutement où il y a une revue de presse pour tester votre capacité à synthétiser des informations. Il y a un atelier de groupe pour tester votre capacité à travailler en équipe et puis à présenter vos idées par la suite.
et un entretien plus global sur votre parcours, votre motivation et la manière dont vous vous projetez. C'est vraiment une journée dédiée au recrutement. Au-delà du consultant junior, c'est-à-dire pour tous les grades au-dessus, que vous soyez très expérimenté, que vous ayez 20 ans d'expérience en collectivité territoriale ou 4 ans d'expérience en cabinet de conseil, c'est un processus assez classique en 3 étapes: entretien ressources humaines, entretien avec un manager, puis entretien avec un associé, avec l'un des dirigeants, pour voir la manière dont vous vous projetez dans l'entreprise. Merci beaucoup, Léa. Cyril, je ne sais pas si tu as des questions pour Léa. Oui, alors il y avait une question sur laquelle je vois que François a répondu, mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, Léa. C'est que du coup, c'était Tom qui nous disait que les fonctionnements des collectivités sont souvent finalement en silo. Et comment, en tant que consultante, finalement, tu arrives à avoir une approche un peu systémique et intégrée dans le cadre de tes missions? Alors, plus spécifiquement, si tu as eu des missions, par exemple, avec les collectivités, mais en fait, c'est vrai dans toutes les institutions publiques, je pense. Notamment, par exemple, ça peut être vrai dans les ministères, etc. Donc, comment tu arrives à avoir cette approche beaucoup plus transversale dans l'accompagnement des transformations, justement, des acteurs que tu accompagnes ou que tu as accompagnés via le jeu? Alors, pour ça, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. D'abord, le premier, c'est que les organisations ne sont pas silotées que dans les collectivités territoriales. J'ai pu le voir aussi en ministère, j'ai pu le voir aussi en structure hospitalière, en université. Je pense que ce qui faisait l'intérêt des missions pour moi, c'était aussi le fait d'aller rassembler ces acteurs. C'est-à-dire que la posture de consultant, c'est aussi la capacité à aller chercher des acteurs dans les différents silos pour les faire travailler ensemble sur un projet commun. Prenons un exemple très concret. J'ai travaillé l'année dernière sur la labellisation ressources humaines pour les enseignants-chercheurs de Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est 3 facultés différentes: médecine, sciences et ingénierie et lettres. Je ne sais pas s'il y a des étudiants, anciens étudiants parmi le public, mais en tout cas, ils pourront sans doute confirmer ce volet-là. Dans chacune des universités, finalement, il y a des équipes qui sont très distinctes, par exemple au niveau ressources humaines. L'équipe formation de la faculté de médecine n'est pas la même que l'équipe formation de la faculté sciences et ingénierie, alors même que leur objet est commun, et même que leur catalogue de formation est commun. Pour moi, ce qu'il est important de garder en tête, c'est que le consultant, de par sa posture un peu externe, a la capacité d'aller frapper à toutes les portes pour rassembler les personnes qui travaillent sur le même sujet. Et c'est aussi enrichissant qu'inconfortable, parce que notamment quand on est jeune consultant, on a toujours cette hésitation à aller chercher des interlocuteurs et à aller amener des personnes qui ne faisaient pas forcément partie de l'équipe projet chez le client au départ. Donc ça dépend aussi beaucoup du périmètre, c'est le deuxième volet de ma réponse, ça dépend aussi beaucoup du périmètre sur lequel vous intervenez. Chez Juliette Sterwen, j'intervenais beaucoup sur des sujets qui amenaient pratiquement systématiquement des ateliers de co-construction et le fait de devoir croiser des regards pour aboutir à un livrable. Sur d'autres objets, peut-être que Léon pourra rebondir sur cette question, mais sur d'autres objets, on n'a pas nécessairement ce besoin d'aller voir ailleurs. Et ça dépend vraiment beaucoup aussi du sujet et du périmètre sur lequel vous travaillez, ainsi que du client pour lequel vous travaillez, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Je crois que, Christiane, la question suivante est plus transversale et je crois qu'elle fait le lien avec pas mal de questions du chat. Donc, je te l'ai dit en amont avant que tu évoques cette question. C'est qu'on a pas mal de questions dans le chat qui disent effectivement, il y a une appétence croissante des administrations pour avoir recours à des cabinets de conseil. Mais finalement, est-ce que ça va continuer vis-à-vis des reproches qu'il y a pu y avoir, effectivement, via la presse, etc. On a vu notamment les différentes affaires pendant la crise sur ce sujet-là et les différents articles de presse qui sont aussi sortis sur ce sujet. Et je te laisse la parole, Christiane, pour faire le lien avec la question. Juste pour dire au public, après, il y aura en science des questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions via les chats. Et je te laisse présenter cette question, Romain. Oui, alors comme vient de le dire Sigrid, c'est vrai que ces derniers temps, on en a beaucoup entendu parler, des critiques adressées aux cabinets de conseil qui œuvrent pour le secteur public. Donc des critiques qui peuvent être parfois compréhensibles mais pas toujours justifiées. Donc à ce moment-là, c'est une question qu'on trouve intéressante à poser du coup à nos trois intervenants.
Peut-être ça peut être intéressant de mobiliser peut-être 2-3 minutes par participant pour répondre à ces questions. Donc, on va peut-être commencer avec François, si vous voulez bien. Je vais me lancer parce que vous vous en doutez, c'est une question hyper importante parce qu'elle touche personnellement, au-delà de mon travail, le projet collectif de Polytheia. Et en plus, c'est une question très juste, enfin, très pertinente. Déjà, un point, moi aujourd'hui, quand je donne des cours à Sciences Po, quand je vois des étudiants qui rêvent tous d'aller en cabinet de conseil, je ne suis pas content. Alors effectivement, ça fait des masses de CV à traiter pour Polytheia au profil public, mais moi j'aimerais bien que des profils de qualité partent en collectivité territoriale. Mais la question, ce n'est pas celle des cabinets de conseil, là, c'est celle des collectivités territoriales. Comment les rendre plus attractives? Et je trouve ça génial parce que justement, profil public, notamment s'attelle à cette lourde tâche. Après, par rapport aux critiques, alors il y a des critiques qui notamment ont fait la une de la presse, et c'était le dossier notamment sur les missions de McKinsey, donc cabinet de conseil en stratégie, pro bono pour le gouvernement, notamment dans la gestion de la crise économique. Alors là, moi, sur ces critiques-là, il y a une réponse très, très précise, c'est que quand on fait du conseil gratuit, il y a un problème. C'est le fameux adage, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est pas le produit. Très clairement, pour moi, ce qui fonde la logique, la pertinence d'une prestation, c'est que mon client, mon exécutif en collectivité, il est prêt à payer pour ça. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus grande force de justification de ce qu'on lui apporte. Une prestation gratuite, c'est forcément hyper dangereux parce que ça veut dire qu'on attend autre chose en retour et que cette autre chose, bah, il n'est ni contractualisé, ni transparent. Donc, les missions pro bono, je pense, sont pour moi une vraie erreur. Et en fait, si je devais aller plus loin, mais en étant un peu plus poil à gratter, je mettrais un peu pareil hein, les missions de mécénat auxquelles se livrent des grands cabinets. Moi, je suis quand même un peu heurté de voir des cabinets qui délivrent les prix de la meilleure optimisation et de la meilleure évasion fiscale. Et il y en a qui sont très connus et qui, en gros, le lendemain, disent « Oui, oui, mais moi, je fais du mécénat, regardez, pour l'action publique. » Donc, en fait, mécénat pro bono, j'y crois pas. Et les prestations payantes sont le gage derrière que la collectivité, le client, l'administration, l'exécutif, et contractualiser pour une prestation qu'il juge pertinente, et pour que ce soit pertinent, il faut que ça ait un coût. Deuxième réponse plus large, et on est intervenu à Polytheia là-dessus aux ETS, c'est le rendez-vous des administrateurs territoriaux sur l'hybridation d'actions publiques, et on avait vu des choses un peu effarantes, mais aujourd'hui, c'est faux de croire que la puissance publique est l'hégémonie de l'action publique ou de l'action pour l'intérêt général. C'est une énorme erreur et je crois que ceux qui se drapent encore derrière ça se trompent, mais très, très lourdement. Et c'est notamment des débats qu'on a revus liés à la suppression de l'ENA. Ce n'est pas vrai que la puissance publique a l'hégémonie de l'action pour l'intérêt général. Les associations, les entreprises concourent à l'action publique, concourent à l'intérêt général et heureusement, et l'enjeu, c'est que les collectivités et les administrations arrivent à penser des partenariats efficaces. Je vous livre juste un exemple. On avait fait des ateliers aux ETS où, en gros, nous, consultants de Polytheia, on jouait le rôle de jeunes start-upers qui venaient voir une collectivité fictive pour proposer des solutions technologiques. Et on essayait de faire réfléchir les collectivités sur, mais finalement, dans un jeu de rôle, comment vous abordez cette innovation de culture qui était parfois très choquante. On avait, moi, je jouais par exemple un start-upper qui avait inventé une application pour noter tous les fonctionnaires dans la rue et leur mettre une note qui permettait derrière de leur donner des primes. Bien sûr que en fait, je ne crois pas que ce soit le monde que je souhaite, mais par contre, en fait, quelle est la posture en gros, du monde public face à ces innovations privées? Parfois, il faut les rejeter intelligemment, parfois, il faut les encadrer. En tout cas, il y a un vrai travail à faire sur cette question d'hybridation parce que c'est qu'à cette condition que la puissance publique, qu'elle soit d'État ou territoriale, arrivera à relever ses défis. Ce n'est pas en travaillant seul dans une posture hégémonique qui est totalement fausse. Et en fait, le lien là-dessus, et nous, on le croit chez Polytheia, on travaille là-dessus. Moi, je crois, et Polytheia, c'est une entreprise politique, mais pas au sens partisan du terme. Mais comme beaucoup d'autres entreprises, on fait de la politique.
C'est-à-dire qu'on concourt à l'action publique territoriale, non pas à travers des idées partisanes, mais à travers notre action. On a aujourd'hui un fonds d'intervention aussi pour les territoires. Et je crois que ça serait une énorme erreur. Alors, on a beaucoup parlé des entreprises à mission et de l'échec d'Emmanuel Faber chez Danone. Mais en tout cas, ne mettons pas dos à dos le monde public qui ne serait animé que par l'intérêt général et un monde privé, qu'il soit associatif ou d'entreprise, qui ne serait animé que par l'appât de l'argent. C'est faux et vraiment, c'est une vision, je pense, totalement erronée de la réalité et surtout qui ne permet pas d'avancer demain. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire que oui, il y a nécessairement de la place pour des structures, et notamment des cabinets de conseil, mais pas que, qui œuvrent pour l'action publique territoriale, parce que c'est aussi des acteurs qui ont toute leur place. L'action publique n'est pas l'hégémonie de la puissance publique. Et puis en plus, et là, je livrerai juste un exemple plus personnel. Moi, je suis gêné hein, de dire, mais je vois des collectivités, et je ne vous donnerai pas le nom de la collectivité, mais une collectivité, on les a accompagnés à la refonte de leur politique publique, de lecture publique. En gros, c'est une grosse collectivité qui avait 6 médiathèques sur son territoire, qui se posait la question à la fois de l'offre de services des médiathèques, de l'évolution de l'organisation, de nouvel aménagement, de nouvelles constructions. Et donc, on fait tout un projet à la fois de co-construction, des ateliers de parcours usagé avec les services, et on livre ce qui était pour nous des préconisations stratégiques, un plan d'action. Et derrière, le DGS dit, écoutez, en fait, c'est super, vous avez fait un super bon boulot. Est-ce que vous pouvez venir, vous pouvez mettre quelqu'un 2 ans à disposition chez nous pour porter ces projets? Et moi, la réaction que j'ai dit, mais c'est catastrophique. Moi, je comprends bien que vous ayez besoin d'un regard extérieur au moment de l'impulsion stratégique. Mais ça, c'est un travail. Enfin, il est passionnant. C'est quelqu'un qui va refondre l'offre de service de la lecture publique avec près de 100 millions d'euros d'investissement. Vous allez trouver des gens. Il me disait non. En fait, je ne trouverai pas. Je trouverai pas. Et donc là, ça pose un vrai problème. Et là, moi, je renvoie la balle à profil public. Il y a un énorme enjeu. En fait, ce n'est pas possible aujourd'hui que les collectivités n'arrivent pas à attirer des profils qui soient capables de porter des projets, de porter des transformations. Et là, nous aussi, on a notre rôle Politeia pour dire, mais en fait, moi, ce que je veux demain, c'est que cette collectivité, eh ben, elle ne nous appelle pas pour faire ça, quoi. Parce qu'il y a un problème d'organisation chez elle. Ça veut dire qu'elle est organisée alors qu'ils sont plusieurs milliers d'agents. Ils ne sont que organisés pour assurer la continuité du service, mais pas du tout pour penser, imaginer et construire l'avenir de l'action publique. Et donc, il y a un énorme enjeu. Et ça, je pense qu'un regard extérieur est nécessaire pour accompagner ces évolutions-là. Je suis d'accord sur l'enjeu d'attractivité. Je te rejoins, François. Christiane, ouais, je te laisse faire le lien avec. On va donner la parole à Léon, la même question. Alors, que répondre aux critiques adressées aux cabinets de conseil qui œuvrent pour le secteur public? Alors, moi, je vais refaire un petit peu d'histoire. Merci beaucoup, François. C'était hyper intéressant. Il y a vraiment une question d'attractivité hein, du secteur public. Hein. C'est des sujets sur lesquels auxquels j'ai été confronté au moment de débuter ma carrière. Moi, pour parler de PwC, qui est un Big Four, donc qui est un cabinet à la base qui fait de l'audit, du commissariat aux comptes, des choses comme ça. Là, l'équipe secteur public s'est construite autour de la certification des comptes de l'État qui avait été imposée par la Commission européenne de faire certifier l'ensemble des comptes des États européens. Donc, en fait, ça s'est axé sur une volonté politique issue des théories de New Management public, de rapprocher le public du fonctionnement d'une entreprise. Et donc avec des comptes qui devaient désormais être certifiés. C'est comme ça que notre équipe s'est créée, à la base des auditeurs en fait, hein, qui se sont mis à intervenir pour le public. Ensuite, on est passé sur des missions de conseil. Et il faut savoir qu'en fait, les critiques adressées aux cabinets de conseil qui œuvrent pour le secteur public, on répond à des appels d'offres hein, en plus. Hein, donc, on n'est pas en train d'essayer de grappiller des journées à vendre des choses à des clients qui n'en auraient pas forcément besoin sur des sujets qui les concernent tout compte fait un peu à moitié. Non, on répond à des appels d'offres publics. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'années où on a dit qu'il fallait ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Donc, il y a peut-être aussi un sujet de continuité du volume d'activité qui est adressé. Après, moi, c'est vrai qu'en tant que jeune consultant,
Voilà, si je suis passé dans un cabinet de conseil, voilà, c'est pour des questions d'attractivité, hein, du secteur public. Du coup, il y a la question qui se retourne, en fait, c'est que ben, pour attirer certains profils, le secteur public est peut-être obligé de passer par des cabinets de conseil. Et c'est ce que disait François, en fait. Et ça aussi, c'est une technique, hein, des cabinets de conseil, d'attirer certains profils qui sont assez vendeurs afin de pouvoir les vendre plus facilement aux clients. Donc là, c'est vraiment un souci d'attractivité du secteur public, alors que pourtant, voilà, comme le disait François, vous avez des missions sur lesquelles, en tant que, enfin, vous pouvez avoir un réel avancement dans le budget que vous allez gérer. Là, vous êtes sur un budget de 100 millions. De 100 millions, donc sur des budgets qui sont colossaux, sur des enjeux d'intérêt général qui peuvent être passionnants, etc. Mais malheureusement, il y a un vrai enjeu d'attractivité. Cet enjeu, il est en train d'être un petit peu résolu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, mais sur des profils qui sont un petit peu plus âgés que moi. Moi, j'ai 26 ans et je vois que les contractuels, en fait, qui rentrent, hein, c'est quand même souvent des gens, en tout cas dans la fonction publique territoriale, c'est souvent des gens qui sont sur la génération de l'au-dessus, donc plus 30, 35 ans qui rentrent sur des formats de chef de projet, sur des contrats de contractuels pendant 3 ans. Ça, c'est pour la fonction publique territoriale. Après, il faut savoir que pour certains EPIC, je pense à la RATP en particulier, arrivent à attirer des jeunes qui ont fait les mêmes études que moi, qui ont fait potentiellement du conseil avant et réussissent à avoir une attractivité qui est renforcée vis-à-vis de la fonction publique territoriale. Donc, il faut peut-être chercher sur ce que font ces organisations-là pour réussir à attirer les jeunes et ce que ne fait pas la fonction publique territoriale. Merci beaucoup, Léon. Effectivement, oui, merci, merci Léon. Je pense qu'on peut également fusionner cette question avec une autre question qu'on a pu relever à un moment, à savoir est-ce qu'il y a une voie en fait royale pour rejoindre un cabinet de conseil? On entend souvent parler de Sciences Po ou des écoles de commerce. Est-ce que c'est la voie royale? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette critique, notamment qui est adressée au cabinet de conseil, dans ce sens-là? Justement, ça faisait partie aussi des éléments que je voulais traiter dans ma réponse. D'abord, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec François. Je pense que le secteur public n'est pas le seul acteur à faire des politiques publiques. Je pense que les citoyens, les consultants, les entreprises, n'importe quelle personne participe, un peu sans le faire exprès, aux politiques publiques. Et je crois sincèrement que les collectivités territoriales, les ministères, tout acteur public qui a recours à un cabinet de conseil, c'est pour avoir un appui dont il ne dispose pas en interne. C'est un appui méthodologique, c'est un appui pour réunir des acteurs, c'est un appui pour déployer des outils qu'on ne sait pas forcément comment déployer. Je pense que, tout comme les entreprises privées, tout comme les structures privées, le recours au conseil est une manière de répondre à un besoin auquel on ne sait pas comment répondre. Par contre, je pense aussi que les missions de conseil dans le secteur public doivent avoir un impact. Je suis vraiment convaincue, et même si c'est difficile à entendre d'un point de vue commercial, que l'on doit d'abord proposer un appel d'offres quand on a un réel besoin, qu'il ne s'agit pas juste, entre guillemets, de faire de l'intérim de luxe, parce qu'on paye très cher une prestation de conseil. Je pense aussi, dans le sens inverse, que les cabinets de conseil, dans la mesure du possible, doivent se concentrer sur les missions qui ont un impact. Par exemple, à choisir entre une mission de numérisation, de passage à niveau, de toute une bibliothèque de documents, par rapport à une mission, on va dire, de design de service public, où on va aller chercher des citoyens, des usagers, pour les faire participer à l'élaboration d'une politique publique locale, même si elle vaut moins cher en termes de rentabilité, parce qu'on parle quand même d'une structure de conseil, donc il y a besoin d'une certaine rentabilité, c'est une entreprise privée, elle aura tout intérêt à aller participer directement avec le citoyen à la construction d'une politique publique. C'est toujours difficile à entendre quand on est un cabinet de conseil, le fait de devoir refuser des missions. Mais je pense que porter cette conviction-là doit aussi traverser les cabinets de conseil. Et ça rejoint tout à fait la question de est-ce que Sciences Po est une voie royale pour accéder au milieu du conseil?
Je pense que les chiffres, entre guillemets, le prouvent, puisqu'on a beaucoup de consultants qui sont issus de Sciences Po Paris, beaucoup de consultants qui sont issus des IEP. Et je pense que, d'une part, le conseil est facile d'accès, entre guillemets, parce qu'il est facile de trouver beaucoup d'informations sur une mission de conseil, ne serait-ce que la conférence d'aujourd'hui. Je pense que trouver des intervenants qui travaillent dans différents cabinets, qui travaillent dans différents domaines du conseil, ça aurait été peut-être moins compliqué que trouver des interlocuteurs qui travaillent en direction de la transformation au sein de collectivités locales. Je rejoins tout à fait ce que disait Léon auparavant aussi, pas juste pour rejoindre ce qu'ont dit les autres auparavant, mais bon, il se trouve qu'ils disaient des choses très intéressantes. Je pense qu'on a un vrai déficit de lisibilité de ce qui se passe dans le secteur public. Même en étant étudiant à Sciences Po, on a l'impression que la seule voie pour entrer dans les collectivités territoriales, par exemple, ce sont les concours de l'administration. On a très peu de visibilité, même en allant chercher un petit peu plus d'informations, sur les possibilités d'être contractuel et de participer aussi par là à la transformation du secteur public. De façon très générale, je pense que ce sont deux enjeux combinés. Les collectivités territoriales et de manière plus générale, certains acteurs publics n'ont pas forcément les moyens de faire de grandes actions de communication pour faire la publicité de leur poste. Je pense que des petites collectivités territoriales n'ont pas forcément l'idée non plus d'aller chercher des profils qui sont extrêmement variés. Ils n'ont pas forcément l'idée d'aller chercher très loin en dehors de Sciences Po. Enfin, je pense que là, il y a un vrai enjeu d'attractivité, de lisibilité et d'information aussi de la part même des écoles type Sciences Po sur toutes les possibilités d'emploi dans le secteur public. Je pense que c'est vraiment très, très important comme question. Merci Léa, en tout cas ça rebondit bien parce que moi c'était notamment une des raisons, l'enjeu de lisibilité et comment on rend un petit peu plus attractive les organisations du secteur public qui m'a poussée finalement à créer Profil Public, donc là, j'allais dire la boucle est un peu bouclée. Je vois l'heure qui tourne par contre, Christiane et Romain, peut-être qu'on peut prendre une dernière question du chat et ensuite je vous proposerai peut-être de conclure. Alors, il y a eu pas mal de remarques. Alors, le discours partagé, j'allais dire Léa, Léon et François autour le service public n'a pas le monopole de l'intérêt général. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu pas mal de commentaires qui approuvaient ce discours-là dans le sens où aujourd'hui, il y avait notamment une remarque de Gilles sur le secteur de l'innovation sociale qui porte aussi voilà, des politiques publiques, notamment dans le monde de l'économie sociale et solidaire, l'associatif, qui est finalement en secteur privé, mais qui agit aussi pour l'intérêt général. Si on prend une dernière question, alors, j'allais dire, il y a eu des questions autour du recrutement, on en a pas mal parlé. Alors peut-être la question de Manon, parce que je vois qu'elle l'a posée plusieurs fois dans le chat, mais est-ce que finalement, dans vos missions à tous les trois, est-ce que vous utilisez aussi des outils d'évaluation d'impact et quel type d'outils un petit peu vous utilisez dans vos missions? Alors, moi, je sais qu'en des missions de transformation digitale, on est sur un impact qui est mesuré de manière très terre-à-terre, hein, avec ce qu'on appelle les analytics qui sont remontés par les applications, en fait. Hein, donc, vous pouvez voir le taux d'adoption des applications, etc. Après, est-ce que ça mesure un impact? Est-ce qu'une application est utilisée? Est-ce que parce qu'une application est utilisée, elle a beaucoup d'impact? Est-ce que l'usager est satisfait parce qu'il utilise, l'application? Ça, c'est des sujets qui ne sont pas remontés par les analytics. C'est pour ça qu'il faut faire des entretiens de satisfaction. Et je sais que François parlait de l'évaluation, mais aussi des politiques publiques. C'est vrai que nous, non, c'est pas des. Alors, là, je parle de missions sur lesquelles on est centré sur les usagers. Hein. Mais non, sinon, sur l'évaluation des politiques publiques, nous, en tout cas, ce n'est pas un métier qu'on fait. Enfin, ce n'est pas des compétences qu'on a. Il y a des pure players, des cabinets qui sont pure players là-dessus et qui reprennent parfois les fins de mission avec lesquelles on collabore afin de mesurer les impacts des politiques publiques. Pour apporter une réponse tout à fait satisfaisante, hein. Alors déjà, je crois que nous, on faisait de l'analyse d'impact de satisfaction client. Et en fait, c'est génial. Hein. Globalement, ils sont quand même très contents. Mais on se paye un peu en monnaie de change parce qu'on ne mesure pas ce qu'on veut mesurer. En fait, on ne veut pas mesurer si notre mission elle a eu un réel impact. Après, c'est parfois
compliqué, hein, quand c'est une mission pour un exécutif sur un projet de territoire ou un projet de mandat, c'est pas facile de mesurer l'impact au-delà de la satisfaction des différentes parties prenantes qui concourent à ce projet-là. C'est-à-dire ne pas juste se contenter de savoir si le maire ou le président il est satisfait de ce qu'on a fait, mais d'aller interroger aussi ses services, ses élus. Donc ça veut dire que nous, on réfléchit en ce moment, mais on n'a pas de réponse, parce que mesurer l'impact de nos missions sans la contenir à la satisfaction client, ça voudrait dire d'avoir une forme d'évaluation. Mais nous, par exemple, on fait un peu d'évaluation de politique publique, et en fait, on ne peut pas tomber dans une évaluation des politiques publiques qui serait liée à nos propres missions, parce que là, ça ne marche pas. On est évaluateur et acteur. Donc, c'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse, on réfléchit. Moi, je pense, et alors, j'assume hein, que la meilleure mesure d'évaluation, c'est si quelqu'un, en gros, se dit, et c'est pour ça que je trouve que le pro bono est hyper dangereux, j'en ai eu pour mon argent. En fait, comme toute chose, à un moment donné, c'est la meilleure mesure, et nous aujourd'hui, ce qui va mesurer l'impact de nos missions, c'est souvent est-ce que les collectivités, au-delà des changements d'objectifs, continuent à faire appel à nous parce qu'elles se disent bah, finalement, oui, ça a eu un coût, mais l'impact, c'est moi qui en suis garant, c'est moi qui suis décideur. Mais après, non, pas de solution miracle sur l'impact final de nos interventions. Je vais rejoindre un petit peu ce que dit François aussi. Enfin, dans le cabinet dans lequel j'ai pu travailler auparavant, on n'avait pas cette expertise en tant que telle d'évaluation des politiques publiques au sens vraiment très presque épidémiologique hein, du terme, puisqu'il y en a beaucoup aussi dans le secteur de la santé. Mais je pense que deux éléments qui sont très importants quant à l'évaluation d'impact, c'est d'une part la satisfaction des usagers, des collaborateurs, des personnes que l'on a pu accompagner, et d'autre part, le fait de pouvoir disposer de retours d'expérience. Je pense que le volet retour d'expérience, par exemple, aller voir des villes qui ont bénéficié d'un dispositif urbain innovant pour pouvoir améliorer le dispositif et s'assurer que d'autres villes ont bien à disposition dans les meilleures conditions de ce type, par exemple, aussi bien en ingénierie qu'en financement, c'est une manière qui est un peu détournée, mais très efficace pour mesurer l'impact de ce que l'on a proposé. De la même manière, quand on sort d'une mission et que l'on a laissé clé en main à une personne la capacité de reproduire ce qu'elle a pu faire avec nous dans un autre périmètre, c'est extrêmement important. Par exemple, les compétences en animation d'atelier, en gestion de projet, tout ce retour d'expérience que, par exemple, un chargé de mission, projet européen à l'échelle d'une université, sera en capacité de remettre en œuvre par elle-même et de diffuser elle-même dans son organisation, c'est aussi une mesure d'impact qui est très importante. C'est-à-dire que notre but, ou en tout cas mon but, enfin, c'est une conviction qui est personnelle aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de, enfin, si on a besoin d'une suite de missions de conseil qui porte exactement sur la même chose, c'est qu'on n'a pas vraiment eu l'impact qu'on voulait et qu'on n'a pas vraiment réussi notre objectif au-delà de toute notion de rentabilité financière. Et je pense que aussi bien en termes d'accompagnement du changement que de cadrage stratégique dès le départ, le fait de co-construire, d'impliquer les acteurs, de transmettre nos méthodologies surtout, c'est un élément qui est vraiment clé pour avoir un impact, même si ensuite on n'est pas tout à fait capable de le mesurer. Merci beaucoup, Léa, en tout cas, pour tous ces éléments. Du coup, on va conclure un petit peu ensemble, tous. J'arrête le partage pour voir un petit peu tout le monde. Merci à tous, merci à nos deux ambassadeurs, Christiane et Romain, d'avoir co-animé cette webconférence. Merci à nos participants. Et puis, alors je sais qu'on n'a pas forcément abordé toutes les questions, mais s'il y a des questions qui ont émergé dans le chat et où vous n'avez pas forcément eu les réponses, on pourra y répondre parce que Christiane et Romain, vous me confirmez bien qu'on va envoyer ensuite, alors sous un format un petit peu petite newsletter, mais récapitulatif un peu des présentations des trois cabinets de conseil et potentiellement s'ils ont des opportunités de poste et stage, on pourra vous les relayer voilà, si ça vous intéresse et avec si le sujet replay. Vous intéresse. Et bien entendu, il y aura le replay. Voilà, bah merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis bonne soirée à toutes et à tous. Et j'espère que merci en tout cas, ça vous merci a plu. Beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à Profil Public pour l'invitation. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, à bientôt.